la suite. Voilà. Voilà, j'ai compris le délire. En fait, si je m'approche pas trop d'eux, je peux les avoir. Voilà. Et voilà. Comme par hasard. La clic cli. T'as vu? Ouais, je suis d'accord que ça vole haut. Wow, c'est quoi cette douceur? Ça sert à rien. J'aurais préféré une clé comme ça, hop. Link, vas-y Mika, qu'est-ce que t'as à dire? Si cette torche est allumée, cela veut dire que... Ouais, ben, t'es nul, Mika. Je vois pas que tu dises un truc plus intéressant, mais bon. T'es une fille, t'es un peu idiote. Fais-je pas que tu resteras un peu adorable. J'ai besoin de flèches. Ok, pas de flèches. Mais je me demande, vu que... Et je me demande... Une chose, vu que... Ah voilà. Si ça fait pareil sur les ennemis, ça fait pareil sur... Vas-y, donnez-moi quelque chose maintenant. Mais allez, donnez-moi un cœur, donnez-moi... Ah mais... Mais con de toi, donne-moi ce que je veux. Donne-moi des cœurs. Donne-moi. Donne des items intéressants. Bon, je vais pas. Ok. Eh mais là c'est du troll. Eh mais là il me donne rien. Puis flûte. Parce que pour le prochain
tableau ça va être pareil. Pour pas qu'il voit que je le vois. Pour comme ça lui. Voilà, par exemple celui-là. Hop. Voilà. Un. Voilà. Petit joueur, allez petit joueur, go learn to play. Vous voyez, je sors mon épée parce que voilà, jamais assez prudent. Bon, où es-tu Régis? 1. Voilà, vu que les sauts directs font plus de dégâts. Au moins on pourra dire que celui-là sera chaud. Vu que c'est du feu lui. Après tout on a d'abord affronté les flammes de Satan. Enfin, là on affronte du feu normal. Ah il donne en plus des... Ça donne en plus des trucs plutôt simples. Pas des flèches genre, alors que je ne dirais pas le mot. Voyons voir, vous trouvez la petite clé. Alors je reviens dans quelques secondes. C'est reparti, désolé de l'attente, on se remet en route. J'espère que le chat est toujours bien, tranquille, tu vas pouvoir ouvrir les portes de ton royaume. On dit merci pour la correction Léon. Et merci donc. Merci donc. Donc je venais d'en bas. En fait j'ai ouvert le coffre. J'ai même pas fait gaffe, je m'en vais sans ouvrir un coffre. Ah là, voilà. Allons-y. Et hop. Waouh. Ce temple a l'air d'être épique. Ah, à chaque fois, on dirait que c'est mon esprit qui est tordu, mais non, c'est le jeu qui est tordu. Ah, l'image est plutôt bonne. Après tout on voit Zelda. Moi je trouve que l'image a un rapport avec Ocarina of Time vu qu'on voit Zelda. Arrête de fuir toi. Ok, c'est la image de base, c'est du Resident Evil 5. Mais en fait, vous j'ai une clé moi. Moi j'ai fait voir cette clé. Oh mais merde quoi. J'ai vraiment tout de travers. C'est la faute de Lord Ephraim. Voilà, c'est sa faute. Ah, il y avait un œuf qu'on va tirer, ok. Heureusement que c'est pas assez. Voilà, il y a plus de dégâts.
bien cœur. Faudrait que je me repasse des flèches. Alors, hop. Ok, donc ce qui fait que maintenant la salle sera entièrement droite, il n'y aura plus de problème. Damned! Attention, et je suis tombé de trou en trou. Ah non! C'est pas vrai! C'est vraiment la pointe, hein. Allez, coupe court à ça. Bon là ça m'embête un peu sérieusement car... J'étais allé comment? Ah oui. Donc j'ai à refaire le tour j'imagine. Pauvre de moi. Bon ça va, j'ai gagné un... J'ai pu récupérer un peu. Mais j'aimerais faire tout le chemin, c'est génial. C'est génial. J'ai hâte de recommencer tout ça. Ah. Ah, tu m'as pris pour qui toi, la espèce de la progéniture d'Élise. Allez hop. Oh vas-y là, je prends un petit coeur. J'ai vu un super coffre. Ah, Link avec ses petites bottines, ses collants et sa petite jupette. Hein. Bah, au moins, on peut dire qu'il a pas peur de sortir comme ça. Ça doit être pour ça que Ganondorf s'intéresse à lui. Enfin, plutôt à elle, vu qu'on sait tous qu'en réalité, Link est une fille. Pas très vivant le chat. Eh, hey, vous êtes là ou vous êtes plus là? Ah bah ça va, j'avais pas trop dévié. Après j'ai une clé à utiliser. Et après bah, voilà. On va faire normalement hein. Vous savez hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette... dans ce coffre? La clé du boss. C'est nice. Ça, Nevan. Bon, maintenant que j'ai une clé sur moi, je suppose que j'ai retourné au point de... au début du donjon et que con de meub. Ouais, oui, je sais, c'est pas très vivant.
Hop. Comme j'ai un cœur. Ok. C'est ça. Allez, hop. Ah, des cœurs, ça c'est gentil. Ah, dites-moi si, au cas que j'aurais oublié éventuellement quelque chose ou pas. Bon, là, je suis pas idiot, je sais qu'il faut tirer sur l'œil. Car au strip précédent, j'avais été assez têtu, je voulais toujours tirer sur ça. Maintenant que je peux tranquillement. Voilà. Et hop. Ouais, des cœurs. On aime tous ça, les cœurs. Et on voudrait aussi certains cœurs. Pas des vannes. Voilà. Bien essayé lors des primes, mais bon. Vu comment tu es de base, je pense pas que tu as ce qu'il faut pour lui offrir un Evan. Il te manque trop certaines choses que tu n'as pas. Ouais, mon cœur sera toujours mieux que celui de Lord. Hein. Faut dire, c'est pas difficile de faire mieux que Lord. Ah, si j'étais pas en train de streamer, je me serais occupé de ton cas, Lord. En fait, là, je suis en train de. Ah, mais oui, j'ai le grappin! Voyons voir. Si certains pouvaient arrêter de faire les guignols et m'expliquer là ce que je dois faire, là je suis en train de chercher un peu. Voyons voir, est-ce que je peux faire ça? Allez, grimpe, sale gosse! Non, c'est pas d'être ça. Ah, faut que tu reviennes où tu as tiré. Faut que tu reviennes où tu as tiré sur l'œil. Le premier ou le deuxième? Que fera un pancake s'il offre des. Ouais, donc c'est là, je suppose. J'ai jamais fait ce jeu. Inkosaur. Je n'ai jamais fait ce jeu. Je découvre le jeu. Et bah, lors des primes, je te le ferai payer quand j'aurai fini ce stream. Espèce de roue. Voilà. Est-ce que j'ai un autre œil à shooter? Je tente de réfléchir. Ah, lors des frames, je croyais t'avoir dit qu'il devait plus y avoir ce bot. De toute façon, on sait tous que c'est une photo montée, hein, c'est un fake. Enfin, passons.
Par là. Plein de flèches. Faudrait peut-être que j'arrive à retourner à un endroit où j'étais. On va voir au milieu, hein. De toute façon, je suis plus à ça près. Et hop. Bon, je vais peut-être arrêter. Je pense que lors. Je vais arrêter de l'appeler le rouge, je vais l'appeler Guignol et Frame. Ça sera toujours plus intéressant. Eh, mais il a vraiment. Il a vraiment fait un bot. Ah là là. Espèce de guignol. Ah, une petite sœur de Nika. Ok, donc c'est pas par là. Peut-être par là de toute façon, je place après. Hop là. Voilà comment on se débarrasse des araignées. Et l'autre, je sais, c'est une stule. Non, c'est pas une stule. Passer par là, de toute façon je suis pas à ça près. Ou bien que je vois un peu partout. Les escaliers, celle qui est en bas là. Il y a cet interrupteur et il y a l'air d'avoir un coffre par là. Ah bah j'en ai déjà tué deux de base. Ah tiens. À un moment en fait j'avais trouvé même je me souviens que j'avais oublié de d'ouvrir une porte car j'avais pas de clé. Et je ne sais pas comment y retourner. De toute façon je vais pas tarder à y revenir. Puzzle, tabou. Bah j'en ai eu 2 sur 4. J'en ai fait un, c'était du le feu bleu et l'autre c'était le feu classique. Je viens de là. Tu parles de ça là? Ça.
Là, tu vois, j'en ai fait deux. Je sais pas si tu vois bien. Je me souviens que vu que je pouvais pas ouvrir celle-là. Des espèces de spectres qui avaient les flammes de ces mêmes couleurs que je t'ai montré. Un spectre bleu et un spectre orange. Je vais essayer de retourner à la pièce en question. Non, les deux autres, je ne sais pas où les avoir justement. Et je pense que c'était dans l'une des pièces où il y avait une porte que je pouvais pas ouvrir parce qu'il me manquait une clé. Les clés en dehors du temple. Il y en a une en dehors du temple que j'ai eu. Oui, il y en a. Oui, justement. Oui, je l'ai eu en début de stream, justement. Oui, bah, cette clé, justement, je l'ai trouvée au début du stream. Car on m'avait déjà conseillé de base de retour, d'avoir rebroussé chemin pour la récupérer. Ce que j'ai fait, je l'ai très vite trouvé. Et là, j'essaie justement de voir si je peux pas. Ah bah voilà. Voilà, c'était cette salle où je l'ai passé, c'était entièrement tordu. Et normalement, je devais passer à un endroit pour pouvoir davantage. Je vais essayer de voir si je peux passer. Parce qu'en fait, à un moment, cette salle était entièrement tordue et je pouvais pas aller à une certaine pièce. Hein? Hein? Que? C'était quoi ça? C'était quoi? Hop. Parce que j'ai. Là, c'était quoi la main qui m'a prise et qui m'a remis au début du donjon? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui m'est arrivé. Voilà. Donc, en gros, je me suis fait TP au début du temple. C'est génial. C'est vraiment génial. Car oui, les deux spectres, je les ai tués. Et il y avait dans l'une des pièces, et dans l'une des deux pièces où il y avait le spectre, où j'ai pété les tableaux, il est apparu, je l'ai vaincu. Oui, j'ai vu ça. Donc j'essaie de retourner à l'endroit. Imagination. Continuons.
tueur. Par contre, faudrait que j'arrive à savoir la suite. Ça, y a pas moyen. Ça, j'avais tiré dans l'œil déjà, ça m'a donné des flèches, comme si j'en avais pas assez. Hop. Allez, reviens là. Voilà, tiens. La preuve d'être toujours des noix. Voilà. Voilà, j'ai la clé du boss. J'ai juste à refaire ça, à remettre en mode tordu. Ah là là. Parfois c'est tout bête. Parfois je peux bloquer pour un truc tout bête. Il y avait juste à retirer sur son œil. Parce que je me souviens qu'il y avait une pièce fermée. Voilà. Je passe tranquille. Là normalement il n'y a plus d'ennemis vu que... Voilà, ça a été vaincu. Il n'y a pas de problème. Je continue donc ma route. Après il y avait les guignols squelettes que j'ai eu, aucun mal à abattre. Next. Hop, hop. Bon par contre...